Oh, salut tout le monde, c'est Gassiro, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo très particulière puisque nous sommes sur WWE Supercard. Je filme cette vidéo complètement à l'arrache, puisque ça y est, la mise à jour vient de se faire pour moi. Nouvelle mise à jour donc sur WWE Supercard avec plein de nouveaux rajouts. On va regarder ça tranquillement tous ensemble pendant quelques minutes. Essayer de découvrir un petit peu qu'est-ce que nous donne cette petite mise à jour. Alors, tout d'abord, on voit directement sur le menu, pardon, sur le menu d'accueil, on voit que tout a été un petit peu modifié, tout a été un petit peu perturbé là, effectivement. On voit l'ajout du Team Battleground, donc le nouveau mode de jeu de cette mise à jour. On va regarder ça juste après. Alors qu'est-ce qu'on a? On a les promotions, donc elles qui restent là-haut. Les cartes, donc ça a un petit peu diminué. Ah, on n'a plus l'affichage du mode échelle ici. Par contre, dans ce cas-là, ouais, je vais devoir faire comme ça. Ok. Donc le catalogue, la chambre des fusions, bon ça c'est normal, ça change rien. Ok, alors juste pour regarder 30 secondes, on va aller voir ça vite fait parce que j'ai vu un screenshot, je sais pas si c'est un fake ou pas, de Jinder Mahal. Il n'y a pas de Jinder Mahal. Ok. Alors, on a le Road to Glory donc activé. Bon, ça c'est normal, ça change rien. On a donc nouveau ici. Bienvenue dans votre profil. Vous pouvez consulter votre progression. D'accord, donc c'est ici les récompenses d'échelle, les cartes d'équipe vide. Qu'est-ce que c'est? Choisir le 2 de la carte. D'accord. Oh, très bien. Très 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 bien. Très intéressant, effectivement. Donc on peut. Ok. D'accord, donc on peut switcher comme ça. Faites glisser ou toucher pour équiper. Ok. Donc on a absolument tout, tout le dos des cartes qui sont là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Choisir attitude. Bon, ah tiens, on a une nouvelle attitude, tiens, pour Finn Balor. T'en es loin. Ouh, pas mal. C'est marrant, c'est pas mal. Bray Wyatt. Celui-là, je vais l'acheter. Rest in peace. Ok. Alors, oui! Ok. Les récompenses sont mises à jour. Alors, récompense de 5 jours. Et effectivement. Récompense de 5 jours. Donc, une carte masculine de survivante à WrestleMania. Et 5 pioches. Ensuite, on a une superstar masculine de WrestleMania SummerSlam, une carte soutien épique légendaire et 50 crédits. Ça, c'est plutôt pas mal. Oui, non, mais je vais. Attends, je vais découvrir ça Non, mais je tranquillement, te hein. dis juste que c'est vrai, c'est Oui, relou. non, mais d'accord. Excusez-moi, non, il y a vraiment super qui était juste derrière. C'est très lourd en fait. Pendant que tu essayes de découvrir quelque chose et faire une vidéo en même temps, c'est très compliqué. Donc une superstar masculine de SummerSlam a endurci sans crédit et une amélioration. Donc ça c'est au bout de 15 jours quand même. C'est pas très cher payé. Carte endurcie élite, 150 crédits. Ça c'est génial ça qu'on puisse gagner des crédits. Mais par contre on gagne une ultime. Enfin, on a la possibilité de gagner une ultime plutôt. Au bout de 28 jours de connexion. Ça, c'est vraiment intéressant. Bon, ça doit rien changer, ça, je pense. Ok, alors, il m'avait montré quelque chose. Ça, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est normal. Ok. Par contre, on n'a toujours pas le mode prochainement. Je sais toujours pas ce que c'est. Ok. Le King of the Ring qui est rendu là maintenant. Money in the Bank juste à côté.
Hop, on va regarder. Récompense, ça change quelque chose. Non, ça ne change rien. Rien du tout qui a changé ici. Ici, bon, il n'y a rien du tout non plus. Bon, je crois que c'est à peu près tout. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a à faire. Donc c'est parti. On va regarder ce mode. Qu'est-ce que... On dirait un nouveau mode de jeu. J'avais pas remarqué. Est-ce que votre équipe est-il fait pour le Team Battleground? Ok. Phase de préparation, 23 heures. Ok. Alors, vous gagnerez des récompenses et des battle points à chaque fois que vous jouerez. Dépensez vos battle points, gardez-les si vous le décidez. Ok, donc j'ai 0 battle points. Alors, qu'est-ce que ça fait ça? Une carte paire de corps. Oula, ah oui, d'accord, donc ça vaut quand même 33, 30 000 points directement. Je me demande combien ça coûte. Récompense. Alors, récompense du champion. Tu gagnes donc une superstar élite, deux superstars endurcis et 3000 et 1350 battle points. Point d'équipe. Donc, en faisant le strict minimum. Lot de consolation. Tu gagnes 900 battle points. Une Summer Slam, une endurcie ou une endurcie élite. Bon, ça va. Attends, sérieux? Ah oui, d'accord. Effectivement, tu gagnes limite plus en fait en ayant 10 000 points en plus. Ah oui, non, d'accord. Ah oui, non, c'est des points en fait, c'est pas en fonction de grade. Donc ça, c'est le niveau le plus faible. Ok. En jouant le strict minimum, on gagne ça. Bon, ça, c'est oui, effectivement, c'est de la merde vu comme ça. Ok. Bah, ça va, c'est plutôt pas mal. Écoutez, on va regarder ça vite fait. Ça fait quoi si je mets commencer? On va voir vite fait qu'est-ce que ça fait, hein. Roman Reigns, AJ Styles, Cesaro, Sasha Banks, Becky Lynch. Alors, utilisez des cartes charge pour améliorer votre deck. Essayez donc. D'accord. Beau travail. Alors, votre équipe, pas mal. Mais vous aurez besoin de plus de points de charge si vous voulez l'emporter. D'accord, je suis dernier. D'accord. Merci. J'aurais peut-être dû la couper ça par contre. D'accord. Ok. Les adversaires. Ouh là là, ça a l'air d'être une grosse team devant. D'accord. Et comment est-ce qu'on fait pour gagner en fait des trucs? Alors attendez, on va juste vite fait cliquer là-dessus. Phase de préparation. Gagner des cartes charge dans n'importe quel tableau draft. D'accord, ah oui. Effectivement, vu comme ça, ceci explique cela. Ah, donc en fait, on va avoir 23 heures de préparation pour charger au maximum. Nos cartes. Donc, on va se tester ça vite fait. On va faire un petit match. On va faire un match classé. Vite fait. Juste pour voir si j'ai bien compris l'histoire.
Déjà, il arrive à me trouver une partie. Ok. Tu vas pas faire un match lassé, tu vas faire un match comme ça, on va gagner du temps. Voilà. Randy Orton en nouvelle superstar du jeu, ça c'est plutôt pas mal. Ça, je suis plutôt content. Hop, voilà. Vous en faites pas hein, si je perds le premier. C'est complètement normal. Parce que j'essaye d'améliorer ma carte de East Letter pour la faire en pro. Ok. Bon, voilà. Et donc, ok. Donc, on peut gagner des cartes comme ça. C'est ce que je pensais. Alors, on va regarder vite fait. Ok, voilà. C'est bon, j'ai gagné une carte Battleground. Ce qui est bien, c'est que ça fait pas trop chier le monde. Apparemment. Une deuxième. Donc c'est à chaque fois qu'on a une carte d'amélioration ou c'est comment ça se passe? Non, c'est pas à chaque fois qu'on gagne une carte d'amélioration. Donc là, j'ai gagné deux cartes charge. Donc, on va vite fait dans le mode Battleground. On fait. Alors là, on a deux nouvelles cartes. Donc, on va améliorer. On va améliorer Sacha. De 2 points. Voilà. Tout simplement. Et maintenant, dans mon équipe, je. Oui, j'ai level up. Oui, victoire. Oui. Je suis toujours à la traîne, mais bon. Ok. Eh bien, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal comme petit mode de jeu. Alors juste pour regarder vite fait, parce que j'ai pas eu le temps de bien voir. On a Norirose et Goldust à aller chercher. Le reste, je pourrais pas. Je suis pas assez. Je suis pas assez. Pas assez bon deck pour l'instant. Oui, non, pas du tout. Effectivement. Pas du tout. Non, c'est Kraynos. Ok. Bon. Du coup, on va se laisser là. Moi, je vais pouvoir farmer tranquillement. Oui, je sais. J'aurais dû le désactiver. Je vais essayer de farmer ça tranquillement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais essayer de voir vite fait, essayer de tourner une vidéo pour le premier épisode du Battleground. Comment est-ce que ça s'est passé? Et ensuite, on va continuer, je pense, un petit peu. À faire quelques vidéos là-dessus pour essayer de découvrir un petit peu qu'est-ce que c'est que ce mode. Donc voilà. Donc je vous laisse, je vous dis à la fois prochaine. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Et si vous n'avez pas aimé, mettez une suggestion dans les commentaires. J'en prendrai bien évidemment compte. Donc voilà. À plus tard, tout le monde.